Mademoiselle Montessori Maria, je vous déclare docteur S médecine et chirurgie. Mais comment est-il possible qu'un groupe d'élèves attardés ait de meilleurs résultats que des élèves normaux? Approchez tous! Approchez! Si on nous donne la possibilité de les éduquer, ils feront vite d'énormes progrès. Ils pourront apprendre à lire et à écrire tout comme l'apprennent les enfants des écoles normales. Je suis tout à fait d'accord avec vous, docteur. Vos recherches devraient continuer comme ça. Les maisons des enfants de Maria Montessori apparaissent en Hollande. Les maisons des enfants de Maria Montessori s'étendent en Allemagne. N'oubliez pas qu'un enfant sait très bien quand il commet une erreur. C'est pour cette raison qu'une seule maîtresse travaille avec de nombreux élèves sans problème. Nous devons encourager l'enfant à agir par lui-même, à vouloir par lui-même, à penser par lui-même. Un enfant renferme au fond de lui le secret de notre nature.